Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Promenades sauvages.
Thank you.
marche double. De ma raison. De ma raison. Rien qu'en toi, soleil anxiété. Que chaque pauvre dans sa nuit se de ta moisson. Amis de
L'ensemble des enregistrements dans ce coffret correspondent à votre parcours. Ce parcours est constitué par des étapes, naturellement, et on remonte aux premières œuvres. Mais la notion de premières œuvres, pour vous, qu'est-ce que ça signifie? Parce que j'imagine qu'avant la première œuvre inscrite à votre catalogue, vous aviez déjà composé. Et c'est des œuvres peut-être de jeunesse que vous n'avez pas voulu reconnaître. Non, je pense que les premières œuvres, ou la première œuvre que je retiens, c'est les notations. J'ai hésité même encore, parce que je trouve ça très simple, et très simplet même comparé à ce que j'ai fait après. Mais je trouve que, bon, dans sa simplicité, ça dénote exactement ce que j'étais à cette époque. Et donc, comme document, c'est tout à fait valide. En plus de ça, je me suis préoccupé de transposer ces notations beaucoup plus tard, dans une version orchestrale. Et ce qui peut être intéressant pour l'auditeur, c'est justement de comparer la version pianistique de 1945 et la version orchestrale qui date de 30 années plus tard à peu près. Mais avant les notations piano, est-ce que vous n'avez pas conservé beaucoup de manuscrits, d'œuvres qui étaient pourvus des esquisses, qui étaient un travail de préparation, qui ne voulaient peut-être pas livrer aujourd'hui au public, mais tout ça existe néanmoins? Oui, ça existe. Ce sont des documents, bien sûr, mais ce sont des documents, tout simplement, et je les considère comme des documents intéressants pour moi, intéressants pour quelqu'un qui veut suivre ce que j'ai fait dès le départ, mais pas plus que ça. Mais certainement, ça m'a aidé à trouver ma personnalité. Et en particulier, dès que je suis arrivé à Paris, dans les années 43-45, j'ai eu une transformation qui a été très rapide. Parce que pendant que j'étais en province, mon évolution était plutôt lente, parce qu'on n'entendait pas de musique, beaucoup de musique contemporaine. À Paris, il y en avait plus, curieusement, dans cette période-là. Et en particulier, la découverte de Messiaen a été une sorte de bombe dans mon univers qui m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et en particulier, quand j'ai étudié avec Messiaen, alors, c'est-à-dire l'année suivante, en 44-45, là, j'ai découvert vraiment ce qu'était la composition. Donc, tout ce qui était avant ça, ce sont des essais encore très primitifs. Et donc, je n'ai aucun intérêt à les voir publiés, tout simplement. Alors, publier, oui, mais jouer éventuellement d'après les manuscrits. Est-ce que, par exemple, si dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans, il y a des gens qui veulent avoir une vision plus complète de votre parcours et qui trouvent ces partitions, est-ce que, rétrospectivement, c'est une chose qui pourrait vous gêner, si aujourd'hui? Ça ne me gênerait pas, de toute façon. je trouve ça inutile, tout simplement. Parce que ce sont des prémices, mais ce n'est pas encore la personnalité, tout simplement. C'est encore très imité de quelque chose d'autre et la personnalité n'est pas là, tout simplement. Mais pour prendre un cas d'un compositeur que vous connaissez bien, dont vous connaissez bien l'œuvre, Wagner, par exemple, il est évident que les premières œuvres de Wagner, qui ne sont pas admises à Bayreuth, d'ailleurs, bon, elles expliquent aussi beaucoup de choses sur le Wagner qui va venir. Mais on peut s'en passer aussi. Je veux dire, c'est pas parce que vous écoutez Rienzi que vous allez vraiment comprendre Tannhäuser. Au contraire, il y a une révolution chez lui qui est tellement forte qu'aussi on peut difficilement rattacher certaines œuvres.
spécialement les toutes premières, qui sont plutôt des opéras à la française. Pour rattacher ça à Siegfried, il faut vraiment être très imaginatif. Et je pense justement que Wagner lui-même, c'est lui qui a décidé, a eu raison de ne pas garder ses pièces dans le théâtre de Bayreuth lui-même. À l'époque, on n'avait même pas joué le vaisseau fantôme au départ à Bayreuth. Oui, ça, le vaisseau fantôme, c'est au contraire, c'est probablement sa première œuvre personnelle. Je trouve, en tout cas, je trouve que c'est toujours très intéressant. Oui, il y a des morceaux de bravoure, et c'est encore un opéra par numéro, si on peut dire. Mais déjà, on peut sentir dans beaucoup de passages un désir de faire autre chose. Et ne serait-ce que ça. Et puis, il savait écrire la musique très bien déjà à cette époque. Quand il a élargi son style et trouvé sa personnalité, là, on peut dire que à ce moment-là, il savait comment écrire, non seulement pour écrire la musique, j'entends le texte musical lui-même, mais il savait orchestrer aussi, il savait écrire pour orchestre. J'ai fait récemment, j'ai joué plusieurs fois l'ouverture de Faust, qui est une œuvre de jeunesse, mais enfin de jeunesse, quand il avait tout de même 25-30 ans. Eh bien, on voit que là, il y a en effet encore l'influence de Beethoven, encore l'influence de Weber, mais c'est déjà très personnel. Je suis partisan, non pas de faire une espèce de frontière entre ce qui va rester et ce qui ne va pas rester. Ça, c'est pas nous qui le décidons, ce sont les descendants qui le décideront. Oui, mais vous avez un peu décidé vous-même. Si vous ne voulez pas, dans cet album que nous faisons d'une intégrale, que certaines pièces y figurent, c'est quand même vous qui avez fait la décision. Oui, c'est moi qui ai fait la décision et je m'y tiens. Croyez-le bien. Non, parce que je la trouve justifiée par, aussi bien par l'écriture elle-même, par le texte, que par les influences qui s'y révèlent. Alors, bien sûr, il y a des œuvres de jeunesse. D'ailleurs, on dit jeunesse. Est-ce que vous pouvez situer à peu près la période où vous avez commencé à écrire de la musique ? Oui, à peu près à l'âge de 16 ans, 17 ans. Mais c'était des imitations encore. Vous étiez sous quelle influence à l'époque ? Sous l'influence des classiques, alors là, vraiment, parce que... Et encore, j'avais un professeur de piano qui était très avancé pour l'époque. C'était une femme. Elle m'a fait découvrir Debussy, par exemple. Debussy et Ravel. Et je vous parle de 36-37, c'est-à-dire que Ravel n'était pas encore mort, même. Et donc, elle m'a fait découvrir cette littérature. Et je lui en sais gré encore parce que ça m'a formé beaucoup. Je me souviens qu'elle m'a fait découvrir en particulier non seulement les arabesques de Debussy, qui ne sont pas même son œuvre la plus audacieuse, mais elle m'a fait découvrir les préludes. Elle m'avait rapporté de Paris, une fois dans un voyage, elle m'a dit « Vous devez travailler ça ». Et je crois que j'ai travaillé une des premières choses, elle était facile bien sûr, c'était les pas sur la neige, par exemple. Ou bien les collines d'Anna Capri. Enfin, vraiment des choses qui me faisaient tout à fait conscient de la modernité de Debussy. Bon, mais ça, j'ai imité très mal au départ, parce que je n'avais aucune idée de l'écriture. Vous savez, quand vous êtes enfant, on vous apprend comment écrire, on vous apprend l'orthographe, on vous apprend à rédiger. Sujet, verbe, complément, etc. Enfin, vous voyez tout le côté, disons, grammatical. Bon, ce côté grammatical, je ne l'avais pas du tout. Je ne l'avais simplement par vague imitation, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Je le faisais comme ça parce que je l'avais entendu de cette façon-là. Et donc, j'ai appris, quand j'ai été au conservatoire, dans la classe avant Messiaen et dans la classe Messiaen, j'ai appris vraiment comment rédiger, comment utiliser la grammaire musicale. Et ça, c'est une chose qui vous sert après quand vous rédigez une chose, même qui n'est pas, si vous voulez, d'une personnalité encore très définie, mais vous savez écrire grammaticalement parlant. Et ça, c'est essentiel. Ça veut dire que lorsque vous êtes arrivé à Paris, vous aviez, pas tout à fait 20 ans, mais presque une vingtaine d'années. 18.
si vous voulez. 18 ans, voilà. Un terme très précis. Vous avez 18 ans, et quand même, vous n'aviez pas encore pris des cours de composition, par exemple. Non, pas du tout. Non, justement, c'est pour ça que je faisais de la composition comme un amateur. Alors, non pas que je suis un ennemi de l'amateurisme, mais... Un peu quand même. Oui, même beaucoup, je veux dire. Mais je suis ennemi en disant que les autres peuvent faire des travaux d'amateurs comme des peintres sont des peintres amateurs. Je veux dire, combien de gens ont imité Monet ? Bon, très bien, ça leur permet de passer le temps et de peut-être de comprendre la peinture mieux que s'ils ne faisaient pas ce genre de peinture d'amateur. Pour la musique, c'est la même chose. J'imagine que quelqu'un qui compose, quoique c'est plus difficile, quelqu'un qui compose en amateur peut arriver à comprendre davantage, par exemple, les œuvres qu'il aborde. Bon, ça, c'est une sorte de canal qui est problématique, mais qui existe. Mais moi, je voulais sortir de ça, ou entrer, comme on veut, dans un paysage qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus défini, tout simplement. Ce qui veut dire que si on regarde un peu les dates de composition des œuvres, on s'aperçoit que finalement, la première œuvre reconnue comme telle, sont les 12 notations pour piano, sont postérieures à votre arrivée dans la classe de Messiaen. Oui, c'est date de 45, fin 45 oui. Exactement. Et la classe de Messiaen, c'était 44-45. Moi, je suis entré dans la classe de Messiaen en septembre 44, si vous voulez des dates précises, et j'en suis sorti en juin 45. Vous y restez très peu de temps. J'y suis resté très peu de temps. J'ai eu, comme on dit à l'époque, maintenant ça n'existe plus, je crois, j'ai eu mon prix d'harmonie très vite, parce qu'en effet, le contact avec Messiaen a été électrisant. Et tout ce que je faisais lentement avant et avait, d'une façon problématique a été tout d'un coup très clair et rapide. Oui, Messiaen était émerveillé, il l'a dit à plusieurs reprises. Vous saviez déjà tout de suite et vous avez été très très vite. Oui, j'ai été très vite. Non, je ne savais pas tout de suite. J'ai appris beaucoup de lui, justement. Mais j'ai appris très vite, en effet. Et si je compare à la classe de contrepoint qui a suivi, où là, au contraire, je n'ai fait aucun progrès et j'ai travaillé par moi-même. La classe de contrepoint était, pour moi, un abîme de négatif après ce qui avait été très positif chez Messiaen. Est-ce que ça veut dire que si vous n'avez pas été dans la classe de Messiaen, les notations ne seraient pas exactement ce qu'elles sont ? Elles n'auraient peut-être pas existé, même du tout. Mais elles n'auraient pas existé à la fois. Si j'ai choisi Messiaen comme professeur, c'est parce que je voulais l'avoir comme professeur. Vous ne faites pas de geste gratuit, même quand vous êtes jeune. Et ce geste d'aller vers lui et de vouloir aller chez lui, l'interroger pour savoir s'il voulait me prendre comme élève, c'est tout de même ça qu'il a décidé. Et dans une récente biographie de Messiaen que j'ai lue, qui était une biographie très détaillée, on a retrouvé la trace des carnets, de ces carnets que Yvonne Loriot avait. Oui, il existe toujours les carnets. Il existe toujours des carnets. Sûr, oui. Et donc, il y avait au mois de juin, je ne me rappelle pas la date, à vrai dire, de juin 44, il y avait Boulez vient me voir, veut travailler avec moi, aime la musique moderne. C'était ce qu'il y avait sur... Et j'aime beaucoup le « aime la musique moderne » à mon sujet. C'est une remarque qui a dû le frapper pour les déclarations que je lui ai faites, certainement. Et donc, oui, c'était je voulais travailler avec lui. Donc, ça fait partie d'une décision générale. Parlons d'un peu des notations, pièce pour piano. Vous avez ensuite travaillé sur ces œuvres pour les transformations, si j'ose dire, pour les prolonger en orchestrant. Mais est-ce que la pièce pour piano en tant que telle, vous l'avez modifiée ou pas ? Ou elle est restée telle qu'elle ? Ah, pas du tout. Je l'ai laissée justement comme témoin de l'époque. Et témoin parce qu'il y avait aussi une charge dans ces 12 notations. Elles étaient 12 d'abord, comme les 12 sons. Elle commençait une série de 12 sons toujours par la note suivante. C'est-à-dire qu'il y avait une critique aussi, plutôt acerbe même, de l'académisme des 12 sons qui commençait à... Déjà ? Ah ben oui. Oui, c'était... Moi, j'ai suivi ces cours de Leibowitz. C'était le début d'une sorte d'académisme.
qui était pour moi, qui était insupportable, absolument. Et surtout, manque d'imagination par rapport à ce qui vous précède. Non pas que je dois dire qu'on doit être critique, négatif, non, pas du tout. Mais si vous avez des prédécesseurs, pourquoi sont-ils là? Pour faire ce que vous n'avez pas fait, ou pour vous précéder dans une chose que vous voulez faire. Donc, il faut aussi bien être capable d'un esprit critique, j'entends, de voir ce qui vous servira que de ce qui ne peut pas vous servir, d'une chose qui est très générale, au contraire très particulière. Et dans ce cas-là, cette vue critique des prédécesseurs est essentielle. C'est elle qui vous aide à vous trouver vous-même. Mais si vous admettez absolument tout comme l'Évangile, vous n'avez aucun esprit critique vis-à-vis de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, là, vous perdez votre temps parce que vous ne pouvez pas être influencé étant donné que vous n'avez pas percé absolument la personnalité de qui vous précède. Le sens critique est vraiment inhérent à votre personnalité. Vous l'avez pratiqué sans arrêt, d'ailleurs, cette critique. Mais je l'ai pratiqué vis-à-vis de moi-même aussi. Oui. Autocritique. Autocritique, oui. C'est pour ça qu'on s'étonne quelquefois que j'ai fait tellement de versions nouvelles d'une chose que j'avais commencé à travailler, que j'avais menée à bien, mais que je recommençais pratiquement. Mais c'est à cause de ça. C'est parce que je n'étais pas satisfait du travail et d'où j'avais abouti, de la situation à laquelle j'avais abouti. Et donc, à ce moment-là, on se critique soi-même et on voit ce qui ne va pas. Et non seulement les détails techniques, les choses, disons, pratiques, mais surtout la conception. Et c'est la seule façon d'avancer. Et la seule façon d'avancer sans se renier, mais au contraire, en admettant ce qu'on a fait. À cette époque, aviez-vous déjà connaissance de l'œuvre de Schoenberg, mais surtout de Webern, ou pas vraiment encore? Non, pas encore vraiment. Chez Messiaen, on a découvert Bartok, Stravinsky, avant tout. C'était les deux. Un peu de Berg, c'est-à-dire la suite lyrique, parce qu'il aimait la suite lyrique aussi, et un peu de Schoenberg, Pierre Lunaire, quoique Pierre Lunaire, il ne le disait pas si ouvertement, bien sûr. Il n'aimait pas trop. Mais il n'aimait pas beaucoup, ça, certainement. Et donc, sa connaissance elle-même de l'école viennoise était très limitée. Et surtout, je crois que ce qui l'intéressait vraiment, c'était le travail rythmique chez Debussy, chez Stravinsky, comme chez Bartok. C'est avant tout ça qui... Et ça, il l'analysait très bien. De même qu'il analysait très bien Debussy, naturellement, et Ravel. Ça, oui. Ça, c'était son milieu. Au fond, il portait la trace de l'enseignement qu'il avait reçu, comme probablement nous le portons tous. Je veux dire, l'enseignement qu'il avait reçu, c'était les années 30. Mais il avait réagi contre les années 30. Je veux dire, la musique des années 30, il détestait. Il ne disait pas aussi... Écoutez, Bœuf sur le toit des années 20, surtout. C'était, oui, le Bœuf sur le toit, mais aussi toutes les années 30, au fond, Martinou, tout ça. Tout le néoclassicisme des années 30. Le Stravinsky des années 30, au fond, c'est lui qui nous a appris à ne pas l'aimer. Sans le dire, vraiment, mais en mettant l'accent sur le côté révolutionnaire, il faut bien le dire, de Stravinsky, il éliminait toute cette période réactionnaire qui a suivi et qui était la période de l'entre-deux-guerres. Il était avec vous le jour où vous siffliez pendant un concert, la fin d'un concert, une néoclassique de Stravinsky. Je n'ai pas été dans cette séance, figurez-vous. On m'a toujours mis dans... Non, c'était des élèves de Messiaen, en effet, qui avaient sifflé, je crois. Mais moi, j'étais déjà employé chez Barreau. Et donc, je n'avais pas assisté à ce concert. Mais si j'avais été là, j'aurais sifflé de toute façon. Mais j'ai sifflé une autre fois. Et nous sommes allés nous excuser auprès des Ormiens qui dirigeaient en disant « c'est pas contre vous qu'on a sifflé, mais c'est contre l'œuvre ». On était polis quand même. Et oui, c'était tout ce néoclassicisme des années 30, etc., ça, Messiaen ne pouvait pas supporter. Et du reste, le groupe Jeune France, qui se résume finalement à deux personnes, et Jolivet et lui, le groupe Jeune France était en réaction contre ces néoclassicismes. Et ça, c'était une réaction qui a duré au-delà de la guerre,
quand il est revenu et qu'il a eu cette classe au conservatoire, toutes ces années 30 et cette animosité contre les années 30 était restée tout à fait pas touchée. Mais Stravinsky ne vous en a pas voulu. Après non. coup, il a au contraire beaucoup parlé de vous. Oui, mais c'est curieux, on s'est rencontrés par-delà cette... Il a compris la réaction que j'avais. Il m'a dit simplement une fois, vous verrez plus tard, vous changerez d'avis. Mais pas encore. Pas encore, non. Il faut que j'arrive à 100 ans peut-être pour changer d'avis, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je n'ai pas changé d'avis du tout. Et je trouve que les grandes œuvres de Stravinsky sont les œuvres de la période russe, qu'on appelle les œuvres de la période russe. Là où il a vraiment rénové le style occidental même. Je veux dire, avant lui, il avait eu un effort avec Debussy et Ravel dans beaucoup de raffinements, mais le côté rythmique a été resté un peu sur le côté. Tandis qu'avec Stravinsky et Bartok, du reste aussi, c'est l'intrusion de l'Europe de l'Est et de la vie rythmique de l'Europe de l'Est. Et ça, c'est une intrusion qui est restée très forte et qui a changé complètement le point de vue des compositeurs qui ont été touchés par cette révolution. Alors, si je reprends votre catalogue, je vois aussi qu'il y a d'autres pièces de cette époque qu'on ne connaît pas du tout. Qu'est-ce que sont ces variations pour piano main gauche ? Ben, c'était à l'époque où j'ai fait les notations, mais c'était des variations tout simplement sur un thème, parce que j'avais écouté le Ravel à cette époque-là. C'est pour la main gauche. Oui, pour la main gauche. Et j'avais regardé un peu les œuvres pour la main gauche. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer une chose comme un challenge. Et voilà. Et l'œuvre est retirée du catalogue. L'œuvre, elle est partirée, elle n'a jamais été dedans. Alors, Et il y a une autre œuvre qui est notée, retirée du catalogue aussi, peut-être qu'elle ne l'a jamais été, c'est ce quatuor pour Ondes Martenot. Oui, là aussi. C'est Messiaen qui vous avait inspiré pour écrire pour les Ondes Martenot. Oui, mais j'avais appris à jouer des Ondes Martenot moi-même. Donc j'ai voulu écrire. Je pensais que c'était un instrument qui avait du futur. Mais je parle de 45 malgré tout. Et puis j'ai vu que l'instrument, malgré tout, je m'en suis servi une autre fois dans la première version du Visage nuptial, la version de chambre, avec deux Ondes Martenot, piano et percussion. Mais très vite, je m'en suis détaché. Ce qui m'avait intéressé dans l'Onde Martenot, c'est la possibilité de faire des micro-intervalles. Parce qu'on peut en effet faire des micro-intervalles très précis. Soit on désaccorde le clavier, puisqu'on peut jouer sur clavier, soit on désaccorde le clavier. Et j'ai fait des expériences de perception à ce moment-là, avec des camarades de conservatoire. En effet, si vous, sur deux octaves, par exemple, ou sur trois octaves, c'est la distance de deux octaves, trois octaves, vous réduisez un demi-ton sur deux octaves, par exemple, vous ne savez plus du tout dans quel univers vous êtes. Vous ne savez pas si vous montez, si vous descendez. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Et je me suis servi de ça beaucoup plus tard, dans Répond, par exemple, et même dans la troisième improvisation sur Mallarmé, je me suis servi de ça pour, disons, déboussoler l'univers de demi-ton, l'univers des 24 demi-tons. Mais vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas continué à pratiquer, comme compositeur, je veux dire, l'Onde Martenot. On ne voit pas tellement d'Onde Martenot dans vos œuvres. Non, pas du tout. Non, c'était fini après. J'ai fini. J'ai écouté, bien sûr, au moment même où ça avait été créé, les trois petites liturgies de Messiaen. Et puis aussi la Tour en Galilée. Oui. Et je dois dire que ça ne m'a pas convaincu. Et je trouve qu'on... Donc, si ça ne m'a pas convaincu, je ne vois pas pourquoi je l'utiliserais. Mais, rétrospectivement, je veux dire, si on joue ces œuvres, on peut utiliser ces instruments de l'époque. Parce que c'était vraiment pensé pour ça. La sonorité était là. Et l'usage que Messiaen en fait, est un usage tout à fait, non pas urgent, mais logique. Cohérent. Cohérent.
Alors, quand on ne va pas regarder toutes les œuvres les unes après les autres, naturellement, mais j'aurais m'arrêter quand même, puisque nous sommes dans les années 45-46, à une œuvre qui a une particularité, plusieurs particularités. C'est la sonate pour flûte et piano. La première particularité, c'est que c'est une œuvre à laquelle vous n'avez pas retouché, finalement, vous n'avez pas touché, finalement. C'est la première œuvre, sans doute, qui a été remarquée par les contemporains. Moi, j'ai vu par exemple un article dithyrambique de Virgil Thomson lorsque ça a été donné à New York la première fois, donc en 46 ou 47. Et c'est aussi une œuvre qui est aujourd'hui au répertoire de presque tous les flûtistes. Oui, c'est une des premières œuvres. Alors là, c'est beaucoup plus que les 12 notations, enfin, certainement. D'abord, c'est une œuvre qui m'a été inspirée par Schoenberg, curieusement. Parce que ça m'avait beaucoup frappé la façon dont Schoenberg, dans la symphonie, la première symphonie, Kammer Symphonie, opus 9, avait, disons, condensé les quatre mouvements d'une symphonie dans un seul mouvement et comment il avait arrangé la thématique de l'œuvre en s'accordant justement à cette forme modifiée. Et donc je voulais faire un peu la même chose, mais en partant d'autres choses que de la thématique en tout cas de la thématique classique, comme une thématique que Schoenberg l'avait utilisée. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des moments de transition athématique, c'est-à-dire sans cellules thématiques, mais des cellules rythmiques uniquement. Et puis, au contraire, d'avoir des cellules thématiques, alors avec des hauteurs, des dessins, alors pour les autres moments. Et si bien que moi, je ne veux pas faire un cours de composition ici, mais il me semble que j'ai réussi, en tout cas, à modifier aussi le cours de la symphonie, d'une forme symphonique, en même temps que je lui ai donné une raison d'être par la condensation des différents mouvements. J'allais dire, mais je pense qu'on ne peut pas le déclarer aussi clairement, que les œuvres de musique de chambre ou de soliste ont posé point de problème pour vous de révision, de nouvelles versions, encore que la troisième sonate pose problème, puisque la troisième sonate, on n'a jamais su quand elle était vraiment totalement aboutie. La troisième sonate, c'est une œuvre dont la fin n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que c'est des mouvements, mais des mouvements qui sont plus ou moins indépendants, qui forme une sorte d'univers. Cet univers, je peux très bien le terminer maintenant, mais aussi je peux le terminer, ne pas le terminer. Et ce qui en reste est valable un par un. Je veux dire, ce n'est pas un tout où le 1 dépend du 4, ou le 4 dépend du 1, mais le 1 est indépendant du 4, le 2 est indépendant du 1, etc. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont indépendantes les unes des autres. Et c'est pour ça que chaque mouvement a son caractère très précis, mais c'est un caractère qui est indépendant, tout simplement. Et donc, oui, je compare ça, je l'ai employé cette comparaison un peu plus tard par rapport à l'œuvre, mais si vous regardez une spirale, par exemple, la forme de spirale géométriquement, c'est une forme qui est à la fois constamment aboutie et inaboutie. Vous avez une spirale, vous l'arrêtez, bon, c'est une forme parfaite. Vous ajoutez deux tours, c'est une forme non moins parfaite, qui est plus grande, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas faire la distinction entre l'abouti et l'inabouti. Et pour moi, ce qui est essentiel dans une œuvre de ce type, une œuvre qu'on improvise au fur et à mesure qu'on la déchiffre, c'est justement ce qui est intéressant, c'est cette non pas une confusion, mais une sorte de paysage très vague entre l'abouti et l'inabouti. Alors, le danger, c'est que pour montrer que vous avez improvisé et que vous n'écoutez pas exactement la même chose, il faut faire une démonstration. Et une démonstration ruine complètement l'idée d'improvisation. Donc, vous avez une contradiction en soi, qui est l'œuvre aboutie qui résulte d'une chose inaboutie. Bon, voilà, c'est comme ça que je conçois cette période où j'ai essayé de faire des formes qui ne soient pas terminées.
Oui, mais c'est vous qui décidez, c'est pas l'interprète. Ah, je laisse l'interprète choisir. Il y a des parenthèses, et dans ces parenthèses, il peut les jouer ou il ne peut pas les jouer. Et ça, c'est lui qui décide. Ben, il a un parcours. Je veux dire, toutes les choses sont écrites. Mais c'est comme si vous avez à votre disposition le plan d'une ville. Vous, pour aller d'un point à un autre, vous avez tant de rues qui y mènent. Vous pouvez choisir une rue plutôt qu'une autre. Et bien, cela, c'est un peu la même chose. Vous avez une carte, on vous donne une carte de la ville. Bon, choisissez ce que vous voulez pour arriver d'un point à un autre. Cela dit, vous avez quand même une certaine méfiance vis-à-vis de cette démarche. À une époque où on ne parlait que des œuvres ouvertes, où il y avait des parcours qui étaient même pas suggérés ou à peine, je pense à certaines œuvres de Cage, par exemple, vous étiez tout à fait hostile à ça. Ah oui, mais je suis encore hostile. Je veux dire, la responsabilité du compositeur, c'est une responsabilité qui existe. Là, si vous passez votre temps simplement à jouer à pile ou face pour écrire une note, je dis non, parce que là, il n'y a pas de grammaire, il n'y a pas de style, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Il y a simplement du hasard pur. Or, rappelez-vous le vers de Mallarmé. Bon, ça me suffit pour moi comme argument pour réfuter tout ça. Vous en avez discuté avec Cage et vous n'étiez vraiment pas du même d'accord. Non, je n'étais pas du même avis. Je lui ai dit franchement, oui, parce qu'il n'y avait aucune raison que je me cache de lui dire. Et je dois dire, moi, autant j'étais proche de Cage quand il était passé à Paris en 49, et que ça m'intéressait de voir sa passion pour le son, et qu'il avait fait avec des moyens très artisanaux, comme le piano préparé, comme ça m'intéressait, cette façon d'organiser le son, combien ça m'intéressait peu, cette espèce de désorganisation, du chaos. Alors, il y a quelqu'un de votre génération qui a été plus proche, peut-être pas exactement du chaos, mais de l'ouverture des formes, c'était Stockhausen. Oui, mais je ne l'ai pas suivi non plus là-dessus. Et du reste, il ne s'est pas suivi lui-même parce qu'il a quitté ça très vite après un certain temps. Je crois qu'il s'est rendu compte que ça ne menait à rien et que finalement, et puis il est encore beaucoup plus autocrate que moi, il était encore en tout cas. Je crois qu'à un moment donné, il s'est aperçu qu'il ne contrôlait plus rien. Et donc, comment voulez-vous faire ? C'est très joli de donner des instructions de jeu ou de méditation, mais si vous ne donnez aucune instruction beaucoup plus précise que ça, qu'est-ce que vous avez ? Moi, j'ai entendu son groupe une fois. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez simplement des gens qui imitent ce que Stockhausen a écrit plus tôt. Bon, c'est pas tout de même très... Est-ce que c'était pas une réaction finalement contre l'application trop stricte du dédacophonisme? Ah oui, c'est certainement, c'était une réaction contre l'excès de discipline et contre un excès de formalisme qui menait simplement au chaos aussi, la même chose. Car l'excès de formalisme mène au chaos, de même que l'excès de chaos mène au chaos, tout simplement. On vous a toujours reproché d'être trop formaliste. Comment expliquer que, en fait, vous récusez le formalisme? Mais c'était un des premiers à le récuser, par-dessus le marché. Mais on est toujours un peu en retard par rapport à ce que vous faites. Si vous avez déjà... Moi-même, mes articles contre le formalisme dodécaphonique, ça date de 55. Alors, c'est vous dire que quand on me juge encore en 75 ou en 80 à ce sujet-là, je dis, lisez les articles de 55 et puis vous verrez, quoi. Oui, mais c'est pas important, c'est de la polémique rassasiée. Alors regardons un peu quand même le sort des œuvres, d'œuvres importantes qui ont connu quand même une vie, je dirais, un peu agitée. Je pense au Visage nuptial, par exemple, oui, que vous avez écrit sur le texte de Redéchard. Vous avez une première version en 46-47. Vous avez ensuite une deuxième version en 51-52. Alors, ces versions successives, il y a une troisième version. Oui, il y a trois versions. Il y a trois versions. Alors, quelle est la démarche d'une version à l'autre? Pourquoi? Est-ce que c'est un agrandissement ou une correction? Non, c'est pas une correction. C'est un agrandissement, vraiment. D'abord, la première version était pour deux ans, je l'ai dit, pour deux ans de Martenot, piano, percussion et une voix solo, une soprano solo. Bon, c'était une version de chambre, vraiment une version. Et puis une fois, quand j'étais, ça m'est resté dans la tête tout simplement, après que j'ai composé ça,
Et ce qui m'a frappé, c'est que le poème avait plus d'envergure que ça et devait être, disons, élargi avec un corps sonore beaucoup plus grand. Donc, j'ai pensé à l'orchestration, simplement. Et aussi à corriger certaines jeunesses de style qui ne me plaisaient plus. Et donc, autour des années 50, 51, 52, j'ai fait l'orchestration. Mais j'avais encore assez peu de métier au point de vue orchestre, au point de vue écriture d'orchestre. Donc, quand j'ai fini cette version, je me suis rendu compte, parce qu'on l'a joué, et donc on l'a joué à Cologne, je me souviens, à la radio de Cologne, et donc je me suis aperçu là des défauts qu'elle présentait du point de vue pratique et du point de vue de l'écriture de l'orchestre, des défauts qui étaient évidents pour moi à ce moment-là. Et donc je me suis dit, il faut une autre version. Et une fois je me suis dit, j'ai pris la décision, bon, je fais une version cette fois-ci. Alors, elle doit dater des années 70 ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. La troisième version 80, ah non, un peu plus tard, oui. Elle date de... Oui, j'ai noté les dates 85-89. Hein. Oui, c'est ça. Elle a été créée en 89. Oui, oui. Et là, j'avais beaucoup d'expérience, au contraire, comme chef. Et donc, j'ai corrigé tout ça et j'ai fait une nouvelle version. J'ai enlevé les quarts de ton, parce que j'avais mis des quarts de ton dans l'autre version, dans la seconde version. Et donc là, j'ai vu que à l'expérience, que les gens faisaient un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils glissaient et vous n'aviez aucune exactitude dans les quarts de ton. Donc j'ai trouvé par moyen d'écriture de faire des choses incertaines, mais incertaines volontairement. Et ça fait partie de la dernière version. Et la dernière version, ça, je n'y touche plus. Parce que je l'ai fait plusieurs fois maintenant, et donc je sais... Vous n'aviez pas dit ça avant ? Non, je n'avais pas dit ça avant. Avant, je laissais comme ça en suspens, mais j'étais sûr qu'il faudrait une troisième version. Donc, voilà, ça arrive, ça n'arrive pas. Je ne me dis pas un matin, je vais changer le monde. Non, je me dis simplement, il faut que je résolve ces problèmes. Et donc, je les résous. Est-ce que ces problèmes surgissent à partir du moment où vous avez une écoute? Par exemple, vous entendez, parce que vous la dirigez ou vous ne la dirigez pas d'ailleurs, vous entendez une de vos œuvres, à la sortie du concert, vous vous dites, ça ne fonctionne pas très bien. Oui, absolument. Et là, c'est l'avantage d'être interprète. Parce que d'abord, je me fais confiance comme chef d'orchestre, parce que je crois que j'ai suffisamment de métier. Et donc, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose dans l'œuvre qui ne marche pas. Et donc, je suis le plus... Le critique le plus près de cette œuvre, et je sais ce qu'il m'a, et je vais découvrir très vite ce qui ne marche pas si je commence à étudier ça. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, le visage nuptial, ça n'a pas de sens de jouer la première ou la seconde version. Ah non, absolument pas. Comme documentaire, si on veut le faire, oui, mais en dehors de ça, non. De même que Soleil des Eaux, il y a deux versions, et la deuxième version est la meilleure. Oui, il y a 10 ans d'intervalle, il y a même plus que deux versions, hein, parce que Le Soleil des Eaux, la première version 48, la deuxième version 50, la troisième version 58, et la quatrième version 1965. Oui, c'est celle-là. C'est la dernière. Oui. Ah oui, c'est la dernière. Oui. Mais vous êtes, dans le fond, votre démarche est le contraire de celle de Messiaen. Messiaen dit, quand l'œuvre est terminée, quand j'ai mis, et il écrit réellement le mot fin, oui, de la dernière page, c'est fini. Oui, non, pas du tout. Moi, j'avais une discussion avec Stockhausen une fois là-dessus. Il m'a dit, moi, je ne peux pas revenir, même si j'ai l'impression que c'est raté. Pour moi, c'est fini. Je préfère commencer une autre œuvre que de essayer de retoucher la précédente. Et moi, c'est tout le contraire. Ça m'insupporte de laisser quelque chose dans lequel je ne peux pas avoir confiance. Et donc, oui, je recommence, tout simplement. Ou je recommence partiellement. Et donc, il y a beaucoup d'œuvres qui ont plusieurs versions. Oui. Et c'est assez clair chez vous, finalement, c'est indiqué. Les interprètes savent où aller. Oui. Ah oui, oui, absolument. Il y a quand oui. même des œuvres qui n'ont pas été retouchées, oui. Qui sont des monuments intangibles, si j'ose dire. Bah, c'est par exemple, parmi les œuvres les plus célèbres, le marteau 100 mètres. Oui, ça n'a jamais été retouché, non. Parce qu'il n'y avait pas besoin, tout simplement. J'ai retouché simplement certaines choses instrumentales,
mais qui était très facile. C'est comme une, si vous effacez à la gomme une chose, enfin, tout simplement. Et donc, c'est les seules, choses. Mais il y a des pièces qui n'ont jamais été retouchées non plus. Par exemple, la seconde improvisation sur Mallarmé, je ne l'ai jamais retouchée. Elle a toujours été exactement sous cette forme-là. Oui, il y a des choses où on arrive tout de suite. Bon, très bien, il faut l'accepter aussi. Et puis, il y a des choses où on arrive par des labyrinthes, par des dédales. Et il faut l'accepter. Et vous êtes quand même un cas très particulier dans l'histoire de la musique. Il n'y a pas beaucoup de compositeurs qui, pour des grandes œuvres, ont donné plusieurs versions successives qui annulaient les précédentes. Oui, ben, si c'est ma spécificité, il faut que je l'accepte aussi. Alors, vous avez une autre spécificité, c'est que vous faites un catalogue où on a fait un catalogue de vos œuvres, et puis il y a certaines œuvres qui disent non. Vous disiez non, c'est pas dans le catalogue. Je pense pas seulement les premières œuvres. Oui. Je pense par exemple à Poésie pour pouvoir, qui est pour bande orchestre. Vous avez écrit cette œuvre, donc qui date de 58, qui avait été créée par Hans Rosbaud avec le Südwestfunk de Baden. Oui. Et puis après l'écoute, vous avez dit c'est pas. Non, c'était pas satisfaisant parce que. La partie électronique était tout à fait insuffisante et ne correspondait pas du tout au niveau de la partie. Mais j'ai ça chez moi. Vous savez, j'ai quelques photocopies comme ça de choses qui me turlupinent de temps en temps. Et je regarde ça. Est-ce que ça vaut la peine de refaire ou non? Eh bien, pour le moment, à Poésie pour pouvoir, je peux vous dire que chaque fois, c'est non. Ça ne vaut pas la peine. Et donc, si je juge que ça ne vaut pas la peine, je ne le fais pas. Mais si je juge que ça, par exemple, Éclat multiple, qui est à mi-chemin maintenant, ça, certainement, je le développerai. Parce que j'ai suffisamment, c'est deux fois plus grand que ce que je joue actuellement. Oui, mais Éclat multiple existe. Mais Éclat multiple existe. Voilà, donc il y a une version que l'on peut jouer d'Éclat multiple. Une version qu'on peut jouer. Il y aura peut-être une autre version, mais pour l'instant, on en a une, en tout cas. Mais je prends une pièce comme Polyphonie X, par exemple, pour 18 instruments. C'est insauvable. Ah bon? Oui. Non, ça aussi, on me l'a proposé de le faire en anniversaire de Don Oeschingen, de refaire la pièce, etc. Et j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas possible. Je ne peux pas entrer dans cette porte où j'étais, ou dans cette chambre où j'étais à l'époque. C'est impossible. J'y serais asphyxié tout de suite. Et ça ne m'intéresse pas. Alors, il y a une pièce un peu mythique, parce qu'on en a parlé pendant très 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 longtemps, qui était attendue par ses propres interprètes, qui était Marge, pour les percussions de Strasbourg. Oui. Alors, Dieu sait que c'est les percussions de Strasbourg, dans leur première équipe, hein, celle des historiques, je dirais. Disons, on attend une pièce de Pierre Boulez, elle s'appelle déjà Marge, et on n'a jamais eu Marge. Ben oui, le titre était trouvé. C'est déjà quelque chose. Non, j'ai été assez vite, disons, saturé de la percussion. Parce que j'ai trouvé que la percussion seule est incapable de soutenir un discours pendant très longtemps. C'est pour ça que les pièces de percussion sont toujours très courtes ou ratées, en général. C'est ou ça, ou l'un ou l'autre. Parce que vous avez une hiérarchie qui reste tout le temps présente. Je veux dire, quand vous avez un piano ou un violon, vous jouez un ré. Ce ré n'a aucune existence en lui, si vous ne lui donnez pas une fonction. Alors le ré qui a une fonction, c'est un ré important, qui est beaucoup plus important que le mi bémol qui va suivre. Et donc, qui est beaucoup moins important peut-être que le si bémol qui a précédé. Très bien. Mais pour la percussion, si vous avez des cymbales ou vous avez toujours le même, disons, la même échelle. 5 cymbales, vous pouvez en avoir 10, c'est la même chose. Vous avez donc une échelle qui est absolument figée. Et la cymbale numéro 3, si vous l'entendez, ça va être toujours la cymbale numéro 3, indépendante de la cymbale numéro 5. Et donc vous avez toujours, c'est comme si vous jouez sur un clavier avec 5 notes. Ce serait très, très réductible. Très, très peu communicant, finalement. Et donc, je me méfie beaucoup de la percussion. Je l'ai employée moi-même, mais j'emploie souvent la percussion avec des hauteurs, xylophone, vibraphone, parce que là, c'est des instruments qui s'intègrent, justement, parce qu'ils n'ont pas de personnalité en eux-mêmes, mais la personnalité dépend du contexte. Et tant que la personnalité dépend du contexte, c'est intéressant.
dès qu'elle est indépendante, ce n'est plus intéressant. Combien de fois pouvez-vous entendre un tam-tam? Si vous entendez un tam-tam deux fois, c'est le maximum. Trois fois, c'est déjà saturé, et quatre fois, vous dites, ça suffit. Et pourquoi? Parce que, en effet, la sonorité peut être très belle, très large. Si vous l'employez une fois, vous pouvez très, très bien l'employer vraiment pour une, cette spécificité du son. Mais si vous l'employez plusieurs fois, le tam-tam ne bouge pas, lui. Et donc, il entraîne votre texte ailleurs. Et c'est pour ça que la percussion, pour moi, a ses charmes, mais des charmes très limités. Vous avez dit un jour que la percussion utilisée, comme elle a été beaucoup dans les années 60-70, oui, était un cache-misère. Oui, c'est vrai, oui. Je le dis encore et je le pense toujours. Et toutes ces œuvres qui ont été écrites pour percussion ont été englouties simplement parce qu'elles ne pouvaient pas survivre, étant donné les problèmes que ça pose. Alors, on ne va pas détailler le problème de chaque pièce, parce que je vois dans votre catalogue beaucoup de choses qui peuvent apter des commentaires. Par exemple, cette pièce pour 12 voix, Oubli, Signal, Lapidé. Vous avez toujours des titres extraordinaires, il faut bien le dire. Oui. Bon, ce titre-là, Oubli, Signal, Lapidé, c'est un titre poétique que vous aviez trouvé. Soleil coup coupé. C'est d'après Césaire. Là aussi, vous aviez trouvé le titre, en tout cas. Oui, oui. Mais c'est parce que c'est un écrivain qui s'appelle Gatti. Oui, Armand Gatti. Armand Gatti qui avait trouvé le titre, mais en s'appuyant sur Césaire. Mais l'œuvre, elle a quand même été donnée. Elle a été donnée à Cologne le 3 octobre 1952, par l'ensemble de Marcel Courault. Oui, c'est ça, oui. Mais cette œuvre, on l'oublie néanmoins. Non, oui, oui, vous l'oubliez, oui. Elle est dans un coin comme ça. Elle pourra servir comme matériel, peut-être une fois, je ne sais pas. En tout cas, ça, rien ne presse. Alors, donc, grâce à ce coffret de disques, on fait un choix dans votre œuvre et un choix des versions définitives, je dirais. Ouais. Bon. Mais il y a un autre enseignement, je pense, dans ces enregistrements, c'est le problème de l'interprétation. Oui. Parce que quand on regarde votre catalogue discographique, on s'aperçoit qu'il est riche. Pour certaines œuvres, il est même très très riche. Quand on regarde, par exemple, on peut l'imaginer, pour Le Marteau sans maître, il existe beaucoup de versions différentes, et plusieurs de vous d'ailleurs. Je crois que vous avez au moins enregistré trois fois Le Marteau. Voilà. Trois fois. Alors, pour parler de ces trois versions, je ne sais pas si vous avez dans la mémoire chaque détail de ces versions, mais est-ce que vous pensez que les changements sont intervenus par une réflexion nouvelle ou par une meilleure pratique de l'instrumentation? Les deux et le fait, enfin, en ce qui me concerne en tout cas, que j'ai su mieux diriger, tout simplement. Parce qu'au départ, comme vous savez, mon futur professionnel n'était pas du tout dans la direction. J'avais pas envie d'être chef d'orchestre du tout. Ma formation n'a pas été celle de chef d'orchestre. Elle a été une formation de compositeur. Mais chez Barreau, oui, j'ai dirigé mais des musiques qui n'étaient vraiment pas difficiles à diriger, à vrai dire. Et donc, ça m'a formé pour une certaine partie du métier. Mais ce qui m'a formé, c'est quant au domaine musical, quand les concerts que j'avais fondés, j'ai dû diriger moi-même les œuvres parce qu'on n'avait pas de chef d'orchestre sous la main, tout simplement. Et puis, je trouve qu'une génération doit se défendre. C'est un principe aussi pour moi. Mais entre les trois, disons, versions du Marteau sans maître, puisqu'on parle de ces trois versions, la première est une version de concert. C'est-à-dire que c'était la première fois que je dirigeais, c'était la première fois que... C'est au domaine musical. C'est au domaine musical, au Petit Marigny encore. Et tout le monde, c'était la première fois pour tout le monde. Donc pour moi aussi. Et je vous garantis qu'on était bien content d'arriver au bout d'une pièce, sans catastrophe. Donc on était terriblement, terriblement... Gauche, oui, bien sûr, ça aussi, la tension, ça vient de la gaucherie. Parce qu'on n'était pas libre. Tous les claviers, par exemple, vibraphone et xylophone, c'était un répertoire qui n'existait absolument pas. Et le seul répertoire qui existait auparavant, je crois que c'était les oiseaux exotiques de Messiaen. C'est tout. Autrement, il n'y avait pas de partie de xylophone soliste.
Donc, tout ça, nous avons dû l'apprendre en même temps. Et donc, je dirais que le premier disque est un témoignage sur un apprentissage. Le deuxième disque, c'était beaucoup plus tard, une quinzaine d'années plus tard, si je me souviens bien. Là, il y avait déjà une spécialisation. Il y avait les percussions de Strasbourg, et en particulier les deux claviers qui étaient là, Ricou et Van Kucht, qui jouaient respectivement le vibraphone et le xylophone. Mais on jouait encore avec deux baguettes. C'est-à-dire, la pratique d'aujourd'hui, qui est avec quatre baguettes, c'est-à-dire deux baguettes dans chaque main, n'existait pas. Quand je vois le film de télévision du marteau de cette époque-là, ça remonte à 68. C'est pas tellement antédiluvien, oui. Oui, maintenant. Mais il jouait encore avec deux baguettes. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais complètement suffoqué parce que je me suis dit, j'aurais cru qu'il joue déjà avec trois baguettes, quatre baguettes. Bon, là, et puis il y avait des gens de grande qualité, comme Aurel Nicolet, comme enfin, la grande équipe. La grande équipe, oui. L'époque, vraiment. Et on a joué beaucoup de fois. Donc on a répété beaucoup, on avait l'habitude du texte. Et puis. Quand j'ai créé l'ensemble intercontemporain, là, tout est devenu plus facile. C'était beaucoup plus facile. C'est quelque chose qu'ils apprennent en même temps que l'instrument. Donc, d'abord, la technique instrumentale s'est perfectionnée d'une façon extrêmement rapide. Et deuxièmement aussi, la technique d'instrument, je veux dire, de relation avec l'instrument, est complètement différente. Et le jeu lui-même avec la battue du chef. Et puis moi, je dirige mieux, certainement, qu'il y a 30 ans, oui, beaucoup mieux même. Alors, pour revenir au marteau 100 mètres, ou pour rester avec le marteau 100 mètres, il y a dans le coffret, donc, la première version, le premier enregistrement, version non, puisque c'est la même œuvre, la première enregistrement que vous avez fait à l'époque du domaine musical. Et puis, également, la dernière version. Est-ce que vous pensez, alors bien sûr, il y a la technique du disque, auditivement, ce sera peut-être pas la même chose sur le plan acoustique, mais sur le plan d'interprétation, est-ce que vous pensez qu'un auditeur qui n'est pas très averti, qui n'a pas la partition sous les yeux, peut détecter de grandes différences entre les deux? Je pense qu'il détectera la souplesse, en tout cas. Il y a plus de variété dans le son, il y a plus de souplesse dans le rythme, il y a plus de cohérence dans le groupe. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et je pense que ça n'échappe à personne. Alors, en ce qui concerne le marteau, c'est vrai pour beaucoup d'œuvres de vous, d'ailleurs, on a gagné avec le temps une notion de plus grande liberté. Ah oui, bien sûr. Mais ce qui nous faisait éviter la liberté, là, c'est d'éviter les catastrophes. Parce que si on s'éloignait un peu, si on avait trop de souplesse, les gens se perdaient, tout simplement. Et ils n'avaient pas cette souplesse et ils étaient au contraire rigidifiés par l'excès rythmique. Et cette précision rythmique est conservée, mais maintenant elle s'est assouplie. Alors est-ce que vous êtes très tolérant vis-à-vis des interprétations très différentes, je dirais, parce qu'il y a pour certaines de vos œuvres d'autres chefs d'orchestre qui s'y ont attaqué et qui ont pu avoir des visions, je ne parle pas de la qualité de la façon dont ils dirigent, mais dans la conception. Est-ce que vous acceptez, pour certaines œuvres de vous, qu'il y a différentes photos? Ah oui, si c'est bien fait, oui. Je suis quand même un peu dans la position du backseat driver, ce qu'on appelle. C'est-à-dire de celui qui prête sa voiture et qui est à côté du chauffeur. Et on dit, tiens, j'aurais mis le frein plus tôt, où j'aurais mis le flashlight un peu plus tôt, où j'aurais fait ça, où j'aurais fait ça. Mais finalement, au bout d'un certain temps, quand vous voyez que ça marche, vous ne réagissez plus, tout simplement, parce que vous voyez que ça marche, tout simplement. Mais le début, vous avez toujours une appréhension. Vous dites, tiens, j'aurais pas fait ça. Mais c'est égoïste comme réaction. Mais si, par exemple, un geste qui paraît excessif au départ est équilibré par un autre geste, qui compense, bon, vous voyez le résultat et vous dites oui, finalement, je comprends qu'il fasse ça plutôt que ça. Moi-même, non pas que je fasse des choses très différentes, mais si j'ai répété une œuvre un certain nombre de fois, quelquefois j'essaye
de faire quelque chose différemment, disons, que pour voir comment le résultat. Pour vos propres œuvres ou pour les œuvres? Pour mes propres œuvres, oui. Bon, aussi pour les œuvres que je dirige, oui. Mais que les œuvres qui ne sont pas de moi. Mais certainement, oui, je m'adapte. Et j'essaye de m'adapter. Parce que je trouve que quand il y a une trop grande rigidité vis-à-vis de ce qu'on fait soi-même aussi, n'arrive pas à un bon résultat. On est prisonnier un petit peu. Oui. On est prisonnier. Alors, et, ça, oui. Et puis, je considère pas mes enregistrements comme des exemples ad vitam aeternam. Je veux dire, il y a eu à un moment donné dans le royaume du disque, il y a eu cette espèce d'obsession de dire, voilà, je fais mes disques et ça doit être le modèle pour tout ce qui va suivre. Ça, c'était Stravinsky. Oui. Et Dieu sait qu'il dirigeait pas très bien. Et non, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se figer. Et même, je veux dire, quand j'entends les disques de Bartok, qui pourtant qui était un bon pianiste, mais je veux dire, les pianistes qui jouent ses œuvres maintenant travaillent constamment sur ses œuvres, travaillent physiquement même sur ses œuvres, et donc jouent mieux que lui, parce que lui, c'était pas son centre d'action. Son centre d'action, c'était de composer, de recueillir d'aller faire des voyages. De récolte, si je peux dire, au point de vue du folklore. Et ça, c'était son centre. Et donc, si on entend un pianiste, oui, on peut dire il joue mieux que Bartok, mais ça ne veut pas dire que Bartok jouait mal. Ça veut dire que Bartok, son centre était comme ça, et disons, on le respecte comme ceci, mais on peut trouver autre chose. Et moi, vis-à-vis de ce qu'on fait par rapport à moi, si c'est justifié, plus ou moins, alors ça, moi, je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que même que vous ne faites pas une œuvre pour vous, vous faites une œuvre pour les autres. Donc, ce sont les autres qui s'en emparent. Et heureusement qu'ils s'en emparent. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que l'enregistrement discographique, et on terminera par ce sujet, est-ce que pour vous, l'enregistrement discographique est à la fois un plus et un moins? Un plus parce que c'est un témoignage, un moins parce que ça peut être une sorte de référence incontournable. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Oui, non, je trouve que si quand on distribue des points, moi, ça m'agace. Autrefois, je les écoutais plus maintenant. Mais les émissions de radio qui veulent faire toujours des comparaisons et qui veulent mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il n'y a rien de plus faux que ça. Parce qu'une interprétation peut avoir de très bons côtés, mais être par ailleurs complètement distordue par rapport au texte original. Et un enregistrement qui sera peut-être moins brillant, mais sera beaucoup plus près de ce que le compositeur veut dire. Ça dépend comment vous écoutez la chose aussi. Qu'est-ce que vous voulez entendre dans une œuvre? Vous voulez entendre ce que vous pensez vous-même. Et ça coïncide pas toujours avec ce que vous écoutez. Ça ne prouve pas que vous avez raison, ça ne prouve pas que l'interprète a tort. Ça veut dire simplement que vous ne coïncidez pas avec cette façon d'interpréter, point final. Et c'est pour ça que je suis contre les comparaisons. Je n'admets pas les comparaisons de ce type-là, qui n'ont apporté dans un certain niveau, j'entends bien. S'il n'y a pas le niveau... Entre le très beau et le très mauvais, il y a évidemment une façon de discuter. Oui. Mais quand on a un niveau de premier ordre, eh bien je trouve que les classements sont absurdes, tout simplement. Alors j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez de l'auditeur? Il y a un amateur de musique éclairé qui a entre ses mains ce coffret de disques. Qu'est-ce que vous lui conseillez comme démarche? Qu'est-ce que vous attendez de lui? De se débarrasser de ses préjugés d'abord, s'il en a. S'il en a pas, tant mieux, et il n'a pas à s'en débarrasser. Mais s'il en a, qu'il se débarrasse de ses préjugés et qu'il entende. Et qu'il entende avec ouverture d'esprit, tout simplement. Qu'il commence, en effet, par une chose les plus simples pour finir par les choses un peu plus complexes. C'est-à-dire, dans une œuvre, dans l'œuvre de quelqu'un, il y a toujours des œuvres qui sont plus ouvertes, plus simples, plus directes. Et puis il y a des œuvres qui sont plus, disons, plus complexes, plus difficiles. Même dans Beethoven, je veux dire, si vous écoutez les premiers quatuors à cordes, c'est très facile à avaler. Si vous écoutez les derniers, il faut beaucoup plus une attention, beaucoup plus concentrée. Donc là, ils le savent, c'est une part de la culture. Mais il faut qu'ils acquièrent cette culture dans la modernité, tout simplement. Alors qu'ils l'acquièrent d'abord par la patience, parce que quelquefois, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut réécouter
et surtout réécouter en se disant, non pas j'ai tort, mais je peux avoir tort. Et ça, c'est la véritable attitude pour moi.